Bonjour les Reborn, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Cette vidéo est la suite de la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, je vous expliquais comment un homme a transformé deux étudiants en ignames. Aujourd'hui, hein, je vais vous dire comment il a fait parce que je viens d'avoir d'autres informations. Écoutez vraiment bien et n'hésitez pas à donner ce conseil à vos enfants parce que il y a une leçon à retenir de cette affaire. Écoutez-moi bien. Selon ce que les gens racontent, on nous dit que cet homme serait allé dans un lieu public, un endroit fréquenté par les enfants, par les étudiants. Et arrivé là-bas, il s'est mis à déposer des billets de banque à terre. Vous voyez les billets de banque qui sont là-bas? Vous voyez là-bas? Vous voyez les billets que la fille a tiré en main? Voilà. Il s'est mis à déposer des billets de banque à terre et il s'est positionné dans un endroit loin, loin de l'endroit où il a déposé le billet de banque et il observait. Et pendant qu'il le faisait, il y a un jeune homme qui était allé pisser, il était allé uriner juste à côté. Il a vu ce geste et il s'est dit, mais ah, qu'est-ce que c'est? C'est bizarre. Hein? Un homme est venu déposer de l'argent comme ça à terre et puis il va aller se positionner quelque part pour regarder. Il s'est dit que, attends, il faut que je filme cela pour montrer à mes amis. Et il filmait cela de façon discrète. Il filmait cela discrètement, sans savoir que, hein, il était face à un homme qui était en train de faire un rituel. Est-ce que vous voyez ça? Le gars, il dépose de l'argent, il se met dans un coin et il observe ce qui se passe. Il s'attend à ce que quelqu'un vienne ramasser l'argent qu'il a déposé à terre. Hey! Et le jeune était en train de pisser. En même temps, il filmait ça discrètement. Il voulait juste voir ce qui se passe. Parce qu'il n'avait jamais vu cela auparavant. Et voici comment il va voir des enfants sortir de l'école. Et ces deux enfants-là vont ramasser les deux billets. C'est-à-dire, chacun aura son billet. Tout de suite, comme dans un film, les enfants se sont transformés en ignames. En ignames. Voici comment les deux enfants se sont transformés en ignames. Quand ce jeune homme qui pissait là a vu ça, il s'est dit, mais attends, qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Voici comment il a interpellé le gars, le monsieur qui est ici, là, le lui qui est là. Il dit, écoutez, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Où sont passés les enfants? Pourquoi est-ce que les enfants se sont-ils transformés en ignames? Le gars ne veut pas parler. Il dit, de quoi vous parlez? Vous le niez. Il ne savait pas qu'il avait été filmé. Voici comment ce jeune homme qui a filmé ça, il a appelé, il a commencé à crier, il a appelé tout le monde, venez, oh, venez, venez, venez voir, ce gars qui est là, c'était mystique, c'était sorcier. Il a déposé deux billets ici. Les deux enfants qui sont allés prendre ces billets-là sont transformés en ignames. Regardez-le, regardez-le, regardez-le. C'est ce qu'il est en train de faire ici, regardez. Tout de suite, le monde est venu, comme ce que je vous ai montré dans la vidéo précédente et comme ce que vous pouvez même voir à l'écran. Et les gens sont arrivés là. Les gens veulent voir clair dans l'affaire là. Vous voyez ici là, non? Les gens sont venus, les gens vous voient clair dans l'affaire là. Et les gens lui disent, ah, donc c'est ce que tu as fait. Ok. Maintenant, retransforme ces enfants-là, retransforme ces ignames-là en ces enfants-là. En fait, les gens veulent que le gars fasse sa magie afin que les ignames prennent la forme des enfants, comme ils étaient, tels qu'ils étaient. Mais le gars, le monsieur essaie tout, ça ne marche pas. Il essaie tout, ça ne marche pas. C'est comme ça, ils ont appelé la police et ils l'ont attrapé. Regardez, en bas là, juste en photo qu'en bas là. Ils l'ont mis dans la voiture. Ce que le regardez la vidéo précédente, il est vraiment important que vous regardiez la vidéo précédente. Elle va apparaître ici sur l'écran ici. Vous allez la voir. C'est vraiment terrible. Mais ça, c'est pas nouveau. C'est pas la première fois que j'entends ce genre de choses. On va dire que c'est la deuxième fois. Sinon, ce que bon, nous avons fait des vidéos sur ça. Vous voyez que ça rigole pas ici, non? Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche parce que vraiment, vous allez découvrir des choses de la vie, hein, qui font vous étonner.
Voici ce que un ex-satanique disait. Un ex-satanique disait que eux étaient allés juste dans un cimetière avec chacun son chat. Et c'était Jean 4. Ils sont allés dans les cimetières avec un fétiche hein, parce que chacun d'eux voulait quelque chose. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont tué chacun leur chat. Vous voyez les chats qu'on voit à la maison là. Chacun a tapé chat, son chat. Ils ont tué le chat. Voici comment ils sont arrivés là-bas. Et le féticheur, il a fait sortir un petit cercueil dans lequel se trouvaient des billets de banque. Il a pris maintenant chaque billet, il a pris quelques billets de banque et qu'il a mouillé dans le sang de ces chats-là. C'est là le rituel a commencé. Il a donné les billets, il a dit, écoutez, allez-y, donnez le public et jetez les billets là quelque part. Maintenant, regardez pour voir ce qui va se passer quand quelqu'un va venir ramasser les billets là. Voici comment ils se sont rendus dans un lieu public. Mais avant, le fisher leur a dit que vous voyez, chacun a tué son chat, chacun a son chat mort. Quand vous allez aller jeter les billets là, celui qui va ramasser les billets là, il va mourir et le chat que vous avez tué ici là, il va ressusciter. Dès que votre chat ressuscite, après que quelqu'un ait touché ou ait pris votre billet de banque, c'est que cette personne est morte et ce que vous avez fait là, ça a marché. Donc, il devait aller dans un lieu public hein, et puis jeter le billet, jeter chacun son billet ou ses billets et puis attendre que quelqu'un vienne ramasser les billets. Et quand quelqu'un va ramasser les billets, le chat qu'ils ont tué, chacun son chat, le chat va être genre ressuscité quoi. Et ils sont allés dans un lieu public, genre loin du marché, ils ont commencé à jeter les billets. Le faucheur leur a dit, si vous jetez les billets là, ne ramassez plus les billets là quoi, hein, parce que celui qui ramasse les billets là, quelque chose de mauvais va lui arriver. C'est-à-dire que dès que vous arrivez, et que vous avez ces billets-là, comme les billets que la fille a là-bas, là. Dès que vous jetez, vous ne devez plus ramasser ça. Et voici les instructions que le futur lui avait données. Arrivé là-bas, chacun a de jeter son billet. Mais il y a un là, il a jeté ses billets. Et il a vu que ses billets sont tombés dans un caniveau. Pour ne pas échouer à cette mission, lui-même, il est rentré dans le caniveau après avoir jeté les billets et il a pris les billets là. Il a remis ces billets là maintenant sur le goudron, sur la route, afin que quelqu'un puisse venir prendre plus facilement quoi. Mais à sa grande surprise, il y a un bus qui est sorti de nulle part hein, et ça l'a cogné. Il est mort sur place. Même dans le cimetière où il allait faire ce rituel là. C'est dans le même cimetière là qu'on l'a enterré. Maintenant, les autres, eux, continuaient. Comme celui qui nous a raconté cette histoire, il dit que lui, il allait loin d'un marché, de l'entrée d'un marché. Vous voyez les marchés en Afrique là. Et il a jeté le billet là-bas, il a fait comme s'il l'avait laissé tomber, quoi. Quelque temps après, il y a un monsieur qui est venu prendre le billet. Il était même très content et il est entré dans le marché pour faire les achats. Au moment où il est sorti du marché, là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Hein. Il est tombé comme quelqu'un qui a eu crise cardiaque et il est mort. Le monsieur est devenu tout noir. Il est devenu tout noir et il est mort. Les gens qui étaient là ont commencé à s'imaginer toutes sortes de maladies pour lui attribuer, mais eux, ils savaient ce qu'ils avaient fait. Arrivé au cimetière, tous ceux qui ont réussi au rituel, leur chat était tous ressuscités. Leur chat était revenu à la vie. Tout ça pour vous dire, mes frères et sœurs, souvent il y a des choses qui peuvent arriver. Le diable peut vous tendre des pièges par là. Il a cette connaissance-là. Il sait que la plupart des gens aiment beaucoup l'argent. Donc il va vous tendre des pièges par l'argent qu'il va jeter sur le sol.
Si vous marchez et puis vous trouvez des billets de banque sur le sol, même si vous ouvrez la poubelle et puis vous voyez les billets de banque à l'intérieur, si c'est votre poubelle que vous êtes la seule personne à utiliser ça, peut-être c'est votre argent. Mais si c'est vous savez que vous savez en âme conscience que vous n'avez pas perdu quelque chose et que vous tombez sur de l'argent comme ça, ne prenez pas. Si vous voyez l'argent sur la route, ne prenez pas. Moi vraiment, je bénis Dieu aujourd'hui. Parce que plusieurs fois dans ma vie, on va dire plus de deux fois dans ma vie, j'ai ramassé l'argent à terre. Un jour, j'ai ramassé 3 000. J'ai eu même l'idée de partager ça avec un ami de classe. La deuxième fois, j'ai ramassé 5 000 francs. J'ai même prié, même pour dire, oh merci Seigneur, parce que j'étais en galère ce jour-là. Mais après, quand je réfléchis et que je vois même tous ces témoignages-là, je me dis vraiment que Dieu me pardonne. Même tout à l'heure, je me suis repenti et demandé pardon à Dieu. Comme moi aussi, j'aime bien donner, j'ai aidé les gens. Donc, je pense que Dieu aussi, il a cette chance pour m'a pardonné. Que Dieu me pardonne encore. Mais ne ramassez jamais ce qui ne vous appartient pas. L'argent que vous allez voir sur le sol, là, c'est quelqu'un, c'est l'argent de quelqu'un. C'est quelqu'un qui a, c'est la sueur de quelqu'un qui est là. Les billets de banque ne tombent pas du ciel. Aucun billet de banque ne va tomber du ciel. Dieu peut faire tomber du ciel la manne, la nourriture, les oiseaux. Si vous voyez les oiseaux, les oiseaux, les trucs qui s'envolent tomber, vous pouvez prendre, il n'y a pas de problème parce que c'est naturel. Mais les choses comme l'argent, qu'on doit travailler dur à la chasse au fond pour avoir ça, vraiment, il faut s'en méfier. Il faut vraiment grave s'en méfier, c'est pas de la blague. Voici comment cet homme l'a transformé, cet enfant-là, en igname. On l'a attrapé, il ne peut plus le faire revenir. Que va-t-il se passer? Est-ce que vous envoyez ce gars-là en prison? Dieu se le sait. Mais en tout cas, c'est lui qui est en bas ici, là. Apparemment, on l'a attrapé. Je vous laisse maintenant aller bien regarder la vidéo que j'ai faite, la vidéo précédente. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez voir de vous-même comment la taper. Et vous verrez la réaction des gens. Mais vous, vraiment, ne ramassez plus de l'argent qui ne vous appartient pas. Ça, c'est le conseil qui va sauver votre vie, quoi. Nous sommes en décembre 2021 et regardez ce qui se passe. Déjà, deux enfants transformés en ignames. Deux enfants transformés en ignames. Ouais, le monde va mal. Allez regarder la vidéo maintenant. Je vous laisse la regarder. Cliquez là-dessus. Abonnez-vous à la cloche d'abord aussi. Et puis, c'est parti.